عزل الستار اليوم الجمعة على الدورة الرابعة للقمة الرقمية الإفريقية التي تعد فرصة لاكتشاف الاتجاهات الرقمية ولتقريب المشاركين الذين يمثلون حوالي 30 بلدا من آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها الميدان الرقمي. هذه القمة تهدف بشكل خاص إلى مواكبة المعلنين في المجال الرقمي لمساعدتهم على تحقيق التحول المنشود في استراتيجيتهم التسويقية وضمان التدبير الجيد والأفضل لهذه الاستراتيجيات. Je pense qu'on en a parlé hier, on a fait l'ouverture, on a parlé des indicateurs, on a parlé des composantes. Je fais un bilan aujourd'hui à la fin de la deuxième journée. Alors si j'ai à faire un bilan, je pense que les chiffres, on les a déjà cités. Les contenus et les thématiques, on les a déjà cités. La qualité des speakers, on en a parlé. Le nombre de pays représentés, on en a parlé. La qualité de l'organisation de l'événement, on en a parlé. L'expérience conférencière, vous l'avez tous vécu. Ce qui est intéressant et ce que je voudrais, ce qui m'impressionne et ce que je voudrais signaler, c'est cette capacité que cet événement a pu avoir au bout de 4 ans à fédérer. Et la fédération n'est pas facile, n'est pas donnée. Pour fédérer toute la communauté, pour fédérer tous les acteurs. Et c'est des acteurs, entre guillemets, amis, ennemis. Ennemis, le terme peut-être très fort, mais c'est des gens, et c'est des acteurs, et c'est des opérateurs qui ont des intérêts croisés. Il y a des tiraillements, il y a des tensions au quotidien entre agences, annonceurs, médias, à professionnels du digital, aux prestataires, mais qu'on arrive à gérer, bien évidemment, au quotidien de façon, on va dire, assez considérable. Mais cet événement est venu fédérer tout le monde. Donc les gens se sont retrouvés, plus de 1700 personnes pendant 2 jours, pour parler des mêmes sujets, pour se préoccuper des mêmes défis, des mêmes enjeux du digital, pour réfléchir ensemble, collectivement, via une intelligence, on va dire, collective, pour décortiquer, déchiffrer les tendances et les défis du digital, voir de quelle façon on peut s'y adapter et de quelle façon on peut affronter ces enjeux pour tirer profit de ces transformations digitales, pour faire face à ce que la technologie est en train de faire, en modifiant, en transformant de façon, très considérable, de façon profonde, nos métiers, la façon dont nous exerçons nos métiers au quotidien et la façon dont les marques existent et dont les marques se créent et se développent. Aujourd'hui, la technologie est une donne qui évolue, qui s'accélère, voire même une accélérance, on va dire, programmée, et une accélération programmée. Et donc, on est obligé de travailler collectivement main dans la main pour pouvoir faire face à cette technologie et se rénover régulièrement dans nos métiers. Et je pense que ce genre de plateforme, et je l'appelle toujours plateforme, c'est pas un événement, c'est une plateforme, permet de fédérer, permet de faire réunir tout ce monde autour des mêmes préoccupations. Alors la deuxième composante, ou le deuxième point que je voudrais évoquer en bilan, c'est ce que nous avons appelé l'Open Innovation Programme, qui est à mon avis une composante principale de l'ADN de l'événement dorénavant, parce qu'il permet de connecter définitivement de façon structurelle et de façon formalisée les startups avec l'écosystème économique et le tissu économique, que ce soit des groupes nationaux, des multinationales installées au Maroc, pour créer des opportunités de business, des opportunités de co-création, de co-développement, de co-innovation. Et c'est ça le but. Nous l'avons lancé cette année dans l'objectif ou dans l'espoir d'avoir une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de rendez-vous. Nous en avons eu 400 et quelques. C'est énorme. 400 et quelques avec beaucoup de concret. J'ai eu la chance de discuter avec pas mal de startups et ils m'ont tous fait part de leur pleine satisfaction de cette composante et de ce que leur a ouvert cette opportunité, cette composante en opportunité de contact avec les grands groupes et de développement du business et de relations d'affaires. Ça, c'est une composante qui nous fait plaisir, qui fait notre fierté. Il y a aussi un autre point, enfin, qu'on est en train d'initier et de finaliser, qu'on n'a pas vraiment annoncé lors de cet événement, c'est la création d'une académie de formation qui est la GAM Academy. On l'avait annoncé il y a quelques mois, on a travaillé dessus, notamment l'équipe comme Super Esdin, qui est notre vice-président, avec Soumia, qui est la secrétaire générale du GAM. On a travaillé sur ce projet qui est en train de voir le jour. On va annoncer les détails très prochainement. C'est une académie qui va assurer des formations aux membres du GAM sur un certain nombre de thématiques, de sujets, et principalement sur le digital. Donc voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous par rapport au bilan de cette édition. Alors si on parle des awards, je pense que le plus important à garder, c'est cette mobilisation, cette émulation. C'était le but, c'était de créer une émulation pour favoriser, encourager, promouvoir l'excellence et le professionnalisme dans les pratiques. Et je pense qu'on ne peut pas nier, il y a 3 ans, même nous, acteurs, on critiquait ce qui se faisait en publicité au Maroc. Aujourd'hui, le digital nous a permis de délibérer les énergies, de délibérer notre créativité, d'avoir des choses beaucoup plus créatives sur Internet que sur d'autres médias ou ailleurs. Et c'est fait
spécialement par des jeunes talents marocains, et ça c'est une fierté aussi. Et je pense qu'on l'a vu sur les awards, les gagnants et les opérations, en tous les cas les innovations gagnantes reposent tous sur des technologies ou sur des innovations drivées principalement par des jeunes, et ça aussi c'est une fierté pour nous. الحفل الختامي عرف توزيع جوائز على بعض العلامات التجارية المعروفة على الصعيد الوطني والتي تمكنت من تطوير أنظمة اشتغالها والاتجاه نحو الرقمنة. Je le dédie à tous ceux qui travaillent pour Digital au Maroc. Que ce soit au niveau des médias, des agences ou bien des annonceurs, il est temps de faire changer les choses, il est temps de bouger. Vivement demain. Awalan tanchkar nas lmondemin dial Digital Summit li menhouna lforsa annana nsharkou fhad lmousabaqa hadi. Hna tanmetlou lcherika dial BIC, on a gagné le premier prix dial la campagne digitale li andha le plus fort taux d'engagement. دونك هذا عمل ديال الفريق كامل ديال الشركه ديال بيك وبهذا المنبر تنحاول نحيي كاع الناس اللي خدموا على هذا البروجي كسوا الناس ديال بيك او الناس ديال لاجونس ديجيتال انفول اللي خدموا معنا on a reçu le prix de la transformation digitale en Afrique c'est important pour le groupe Orange avec tout l'investissement qu'il fait dans le développement de la connectivité, dans les investissements qu'il fait au niveau de toute la région Afrique et Moyen-Orient pour le développement économique et social de ces pays. Aujourd'hui, on est très content et très fier d'appartenir à INWI. C'est vraiment grâce à toute l'équipe communication qu'on a pu gagner ces prix-là. Bravo à tout le monde et merci encore une fois. هذا وأصبحت القمة الرقمية الحدث الأبرز في القارة الإفريقية بعد 4 سنوات على إطلاقها حيث يجمع جميع الفاعلين في المجال الرقمي ومجالات العلامات التجارية والتسويق والإعلام لمناقشة التحديات والفرص التي تضعها الثورة الرقمية أمام أصحاب الشركات